Silence plateau. Moteur. Ça tourne. Et action. Entre deux mondes. C'est le nom d'un court-métrage de fiction réalisé sur Strasbourg par un jeune réalisateur de 17 ans, Thomas Wolten-Logal. Alors Thomas, raconte-nous de quoi ça parle ce film. Alors ce film, c'est l'histoire d'un homme qui lit un livre et dans son histoire, Pablo, un bleu qui veut rentrer, qui veut se faire une place dans un gang de mafieux, est mis à l'épreuve par Don Ricardo, le padre, et simplement il va devoir débarrasser Don Ricardo d'un homme. C'est toi qui as écrit ou tu as adapté de quelque chose? Alors c'est librement inspiré, la trame est la même. Mais l'histoire est complètement différente. Et comment c'est que tu as eu envie de faire un film de cette nouvelle? J'aime beaucoup cette nouvelle. J'ai toujours aimé les nouvelles à chute. Et ça m'a toujours plu de toujours rêver de faire un film, un court-métrage sur une nouvelle. Voilà. D'accord, et c'est ton premier court-métrage alors? Oui, en solo, oui. Et comment ça se passe de commencer à réaliser un court-métrage, à contacter les gens, trouver les lieux? C'est beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie. Là, c'est le dernier jour de tournage, mais je suis crevé, il y a beaucoup de stress. On est tous marre à la fin, mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est pareil, que ce soit à mon échelle ou pour un réalisateur professionnel, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est pas facile de trouver l'équipe, là, on a tourné avec une équipe vraiment super. Étaient tous réactifs. On s'est vraiment bien marré. Mais j'ai eu quelques déceptions avec les lieux que je voulais au départ. Mais finalement, ce qu'on a là, c'est vraiment très convaincant. C'est marrant que tu aies eu des déceptions, parce que moi je trouve les lieux vachement bien, que ce soit à Agno, Rue Brûlée, ou même ici, c'est-à-dire au Baggersee. Et comment tu as fait pour trouver tous ces lieux qui sont assez rares, en fait, hein, parce que c'est vraiment de beaux lieux, moi, je trouve. Alors au départ en fait je voulais tourner au lycée Pontonnier. J'ai eu une réponse négative, bon c'est libre à eux, mais voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes après pour trouver les lieux. C'était la dernière chose que j'ai trouvé en fait, autant avec, par rapport à l'équipe c'était assez rapide. Après au niveau des lieux, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon papa qui travaille à la ville de Strasbourg et qui a eu la possibilité en fait de rentrer en contact avec les personnes qui sont en charge de ces lieux. Et pour Agno, c'est la grand-mère de ma copine qui a généreusement prêté sa propriété pour le tournage. Voilà. Mais c'était un long travail de recherche. D'accord. Et le film, il sortira quand? Il y a déjà une date de prévu? Oh là là, tu m'en demandes beaucoup. pour l'instant, il y a un montage qui va être engagé. On va dire que d'ici, je pense, un mois, comme ça, on devrait avoir terminé l'étalonnage, le mixage. Et sortie du film, je dirais Noël. On pourra le voir sur YouTube ou autre part, ou ce sera uniquement en festival? Alors non, YouTube, je m'y refuse, parce qu'il y a un principe sur YouTube, c'est que quand les vidéos sont sur YouTube, on n'a plus le droit d'auteur. Donc si je veux le présenter à un festival, ou si je veux le projeter par exemple à l'Odyssée à Strasbourg, je ne peux pas le mettre sur YouTube. Donc je vais le garder pour moi, et il va y avoir des projections. Si je suis satisfait du film, il y aura des projections avec la collaboration de la ville de Strasbourg. D'accord. Et déjà des idées de projection à certains endroits, l'envoyer à des festivals ou pas du tout encore? Alors j'aimerais bien l'envoyer au festival à Strasbourg, de Coupé Court, il me semble. Ou en ce moment, c'est le festival La Cyclone Uragée. Au Secours. Au Secours, voilà. Celui-là, ou je ne sais pas encore, ouais, mais j'aimerais bien le présenter à un festival, si j'en suis satisfait. Et t'as des autres projets par la suite, après ce court-métrage? Oui, alors je suis en terminale, donc j'ai mon film de bac. Ça va me prendre beaucoup de boulot, beaucoup de temps, ça va me prendre beaucoup de temps. Parce que tu es en terminale cinéma, donc à Wissembourg, c'est ça? C'est ça, voilà. Je fais une spécialité cinéma. Et donc, j'ai mon bac à la fin de l'année. Le film de bac à préparer. Mais c'est vrai que je pourrais envisager une collaboration pour un projet futur avec l'assistant réalisateur, donc Pierre Scaravella, avec qui je m'entends vraiment bien. Et pour les projets, mais après le bac. D'accord. En tout cas, on est impatients de voir ce film. On te souhaite beaucoup de chance pour la suite, pour le montage surtout. Merci beaucoup. C'était Thomas Wolten-Logal, réalisateur d'Entre deux mondes. Au Baggersee, Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.